les impôts, non pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. On rhume une angine et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salma que vous veniez vous installer pendant un mois, deux mois avec le SMIC. Ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches. C'est pas un gros croque-monsieur. C'est un croque-monsieur raffiné à la truffe, aucun rapport. 30 secondes, j'accélère. Les talons, finalement, peut-être que c'est pas si approprié. C'est peut-être un peu inadapté. Frottez. Mieux vaut ne pas si. Frottez. Si tu ne me connais pas. J'ai toujours rêvé de me faire servir par la grande bourgeoisie. 2890 pour la veste, ça va. Ah là, je suis tellement bien ici. C'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Emballer des poissons toute la journée, je vois même pas comment on peut dire que c'est un métier passion. Bah si on n'a pas ça, on n'a rien, nous, par ici. Bonjour, Colette. Tu as payé combien? 1000 euros. Mais j'ai surtout le besoin de me sentir utile auprès des autres. On a aussi la vie qu'on décide d'avoir. C'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est eux qui m'ont arrêté. Le système Parcoursup et Mathieu. Il y en a qui sont assistés, qui restent dans leur canapé à rien faire. Pourquoi aussi? Pour eux, ils sont plus rien et c'est plus qu'un numéro. En 2012, j'ai été licenciée à cause économiquement. Mais il fallait que je bouge, il fallait que je travaille. J'ai toujours travaillé. Après, on a les rêves qui commencent à revenir. Est-ce que tu peux encore prononcer le mot assister à la télévision sans penser au visage de Nathalie? Sarah Salman, est-ce qu'elle a vraiment changé? On s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens.